Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance pour cette année 2021 grâce au tarot divinatoire. Je vais commencer par le premier semestre, je vais vous donner les prédictions, les prévisions que je vois pour vous grâce au tarot de Marseille et au Golden Universal Tarot. Vous aurez le message de l'univers grâce au tarot des anges gardiens de Dorine Virtu. Un message de vos anges pour ce premier semestre. Et ça sera la même chose pour ce second semestre. Il y aura un second tirage. Je me présente rapidement. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne ici Lali Lila Tarot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo. Ça fait toujours plaisir et à commenter si vous le souhaitez. Donc on va commencer tout de suite. Les Vierges, donc ce tirage pour l'année 2021 s'adresse aussi aux ascendants Vierges et aux signes lunaires en Vierge. Allez, que vous réserve ce premier semestre? Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Vierges? Allez, on a la carte la mort, que l'on appelle également l'arcane sans nom, placé en positif. En contre, on a l'amoureux, placé en négatif. En vibration, nous avons la roue de fortune. Et en résultante, ici, nous avons le mât. Alors, ce que je ressens là, pour ce premier semestre 2021, c'est de gros changements, des changements radicaux qui vous attendent pour ce premier semestre. Des changements radicaux précédés par une rupture. Alors, une rupture avec un ancien schéma de vie ou bien une rupture sentimentale pour certains d'entre vous. J'ai tiré deux cartes. Ok, vous voyez, donc on a le soleil renversé. Moi, je ne dis pas les cartes renversées, mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a vraiment une rupture ici. Il y a une rupture professionnelle, une rupture sentimentale également. Il y a... vraiment là, durant ce premier semestre, une envie très forte chez chacun d'entre vous d'avoir une visibilité sur votre avenir, d'y voir beaucoup plus clair au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Donc vraiment, durant ce début de ce premier semestre 2021, il y a là réellement une rupture avec l'ancien, une ouverture vers un nouveau cycle. Donc vous allez faire un grand nettoyage hein, dans votre situation, quelle qu'elle soit. Et puis durant cette deuxième moitié de ce premier semestre 2021, on a des opportunités que vous allez pouvoir saisir, que vous allez pouvoir vous créer une période de chance qui vous sourit, donc ça c'est super positif. Et on voit bien qu'à la fin de ce premier semestre, vous partez, vous prenez l'air, vous quittez cette situation totalement obsolète pour vous, pour un nouveau projet, pour un nouveau cycle. Donc là, il y a réellement là une rupture. Qui a des conséquences positives pour vous. On voit bien que vous partez. Ça peut parler de voyage hein, durant ce premier semestre 2021. Ça peut parler tout simplement de déplacement ou de déménagement parce que certains d'entre vous ont envie de déménager ou ont besoin de déménager parce que leur ancien logement leur rappelle ce passé et cette difficulté à faire le deuil de son passé. Et ce déménagement, ce changement professionnel ou sentimental vous permet eh bien, d'être en phase avec vous-même et de suivre de nouveaux horizons. Vous vous tournez vers votre avenir, vous ne vous tournez plus sur votre passé. C'est ce que vous allez pouvoir faire durant ce premier semestre. Donc là, avec la mort placée en positif, on a eh bien, une rupture, une situation qui se termine pour un nouveau cycle, pour un nouveau départ. Comme je vous l'ai dit, il y a des changements radicaux qui se préparent pour vous. Vous balayez d'un revers de main tout ce qui ne va pas, et tant mieux, parce que vous avez vraiment besoin là de démarrer sur des bases beaucoup plus saines, sur de nouvelles bases. Donc, rupture professionnelle, sentimentale, ça peut parler de cela pour certains d'entre vous. Après, c'est à vous, bien sûr, d'adapter ce tirage à votre situation sentimentale, professionnelle ou personnelle, hein, peu importe. Là, avec l'amoureux, c'est vrai que ça peut parler d'amour, on est bien d'accord, avec en plus le soleil, ça peut parler là, placé en négatif, de rupture. Mais ça peut parler d'un manque de visibilité, pardon, et de cette impossibilité à faire un choix, à prendre une décision, à faire le deuil de votre passé, à vous rendre compte qu'il est temps aujourd'hui de vous tourner vers votre futur. Et là, avec la roue de fortune, ici en vibration, on a une période de chance qui vous sourit, d'opportunité qui vous sourit. La roue de fortune, ça parle du cycle de la vie, ça parle de l'année.
Donc, il y a une année riche en propositions, en opportunités pour vous. Vous allez enfin tourner la roue en votre faveur. Il y a la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. C'est très marquant, surtout là avec la mort et le mât qui conclut ce tirage pour ce premier semestre. Là, eh bien, vous prenez de l'air. Hein, vous prenez un grand bol d'air frais. Vous quittez bien cette situation totalement toxique, cette relation professionnelle ou sentimentale. Vous prenez votre baluchon et vous vous en allez droit devant vous. Vous suivez davantage votre cœur et vous partez. Donc là, vous faites table rase de votre passé, vous tournez la page définitivement, même si on peut vous retenir, hein, parce qu'avec cet animal, ça peut signifier qu'il y a le passé qui essaie de vous retenir, qu'il y a des énergies du passé qui essaient de vous retenir, mais peu importe, hein, vous y allez. Donc de façon factuelle, ça peut parler d'un déménagement, je vous en ai parlé, d'une rupture professionnelle, en vue d'une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Donc vous avez pas mal de projets là, les Vierges, durant ce premier semestre. Et puis ça peut parler de voyage, si la situation se passe au mieux, il y a des possibilités de vous déplacer, en tout cas durant ce premier semestre. Pas forcément voyager à l'étranger, mais au moins se déplacer vraiment durant ce premier semestre. Allez, je rajoute d'autres messages ici du Golden Universal Tarot. Hop, décidément, là, les cartes, elles se retournent. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, on a le cavalier de coupe. Donc on voit bien en fait ici que l'univers vous aide à prendre conscience qu'il est temps pour vous de tourner la page, qu'il est temps pour vous de faire le deuil de votre passé, de ce passé lourd qui vous a empêché d'être vous-même, d'accéder à de nouveaux projets. Donc là, il y a aussi l'aide d'une personne autour de vous, une personne aimante, bienveillante, qui vous soutient dans votre démarche, hein, dans ce processus de fin de cycle. Ok, on a le 6 de denier. Hein, voilà. Donc moi j'ai ce sentiment réellement là que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir donner, de pouvoir partager, de recevoir en retour. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de visibilité. Vous n'avez pas de visibilité sur du long terme. La situation est confuse. Ce n'est pas clair pour vous. Et vous avez besoin, comme je vous l'ai dit, de clarté. Et pour cela, il va falloir faire un choix, il va falloir vous décider. Il va falloir vous exprimer davantage. C'est ce que vous allez pouvoir faire durant la fin de ce premier semestre 2021. On a, waouh, une lame majeure et pas la moindre, le battleur. Le magicien. Vous allez vous rendre compte hein, que la vie est magique. Pourquoi? Parce qu'on va vous mettre sur votre chemin, l'univers va vous mettre sur votre chemin pas mal d'opportunités et d'occasions de vous lancer, de pourquoi pas lancer votre activité, parce qu'on voit bien que vous faites le deuil de votre passé professionnel, on voit bien une reconversion pour certains, on voit bien en fait que vous reprenez votre situation professionnelle en main en créant votre propre activité. Et ne doutez pas de vous parce que vous avez le potentiel pour réussir, c'est ce que ici les cartes vous disent. Donc là, il y a réellement un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, vous tournez la roue en votre faveur, un nouveau projet s'annonce pour vous. Une nouvelle rencontre, pourquoi pas suite à une rupture sentimentale, c'est vrai aussi, mais ça signifie réellement là qu'il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ qui se profile. Donc, un cycle qui se termine, un cycle qui s'ouvre.
Et là, on a le roi d'épée, les vierges. Donc, on voit bien en fait que vous prenez des décisions, que finalement, ces décisions que vous avez du mal à prendre, vous allez pouvoir les prendre à la fin de ce premier semestre. Parce que vous décidez là de vous tourner vers de nouvelles perspectives, vers votre avenir. Et donc, du coup, vous prenez des décisions, vous coupez des liens avec des situations négatives ou toxiques, vous éloignez pourquoi pas de personnes négatives, grâce à ces décisions, vous avez une vision beaucoup plus claire de ce que vous souhaitez, de ce que vous attendez dans la vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou au niveau sentimental. Donc, quel est le message ici de l'univers pour ce premier semestre 2021 pour les vierges? Et on a l'as de la prospérité. Donc la prospérité vous attend. Là, qu'est-ce que vous dit l'univers? L'univers vous dit qu'il y a réellement là deux nouvelles opportunités, dont une opportunité que vous attendiez, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Il y a réellement un nouveau cycle qui se prépare pour vous. Il y a des personnes, une personne qui va vous venir en aide, bienveillante, qui va se mettre sur votre chemin. Donc c'est vraiment le moment là, durant ce milieu de semestre 2021, de ce premier semestre, c'est le moment d'avoir des projets. Vraiment, hein. Là, il y a de gros changements, comme je vous l'ai dit, une reconversion professionnelle, un changement professionnel, vous créez votre activité pour certains, vous quittez votre emploi difficile. Là, on voit vraiment là un nouveau chemin pour vous. Donc, je vous lis son message. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Écoutez bien, des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Il y a également, de façon factuelle, des signatures de contrats très importants, des documents très importants pour vous. Donc là, il y a réellement de gros changements. Et c'est bien confirmé ici par le message de l'univers. Donc on va passer au second semestre 2021. Allez, je mélange les cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour ce second semestre 2021 pour les Vierges? Ok, la lame tempérance placée en positif, la papesse en négatif, l'empereur en vibration et la maison Dieu en résultante. Donc on voit bien en fait de la stabilité, une stabilité professionnelle qui arrive pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez en fait mis de l'ordre dans votre vie, dans un aspect de votre vie. Vous avez fait un grand nettoyage, vous avez coupé des liens, vous avez tourné la page, vous êtes en plein projet, vous entamez un nouveau cycle et on voit bien que votre patience, pardon, va être récompensée parce qu'il y a un nouveau projet qui se concrétise avec la Maison Dieu. C'est vraiment un projet qui change votre vie, qui transforme votre vie, votre quotidien. De façon factuelle, ça peut parler d'un déménagement, c'est vrai, mais ça peut parler aussi d'une reconversion professionnelle qui a des conséquences très positives dans votre vie. Hein, donc vous êtes en pleine reconversion pour certains d'entre vous et ça va fonctionner. Ça parle vraiment aussi d'un événement inattendu qui vous tombe sur la tête, d'une bonne surprise. Moi, j'ai plutôt cette notion de bonne surprise que de mauvaise surprise, parce qu'on voit bien là que vous réalisez que votre situation s'améliore, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan financier. Donc, votre patience, votre persévérance va être récompensée.
Donc avec la lame tempérance, on vous dit ici, le tarot vous dit de tempérer vos émotions, de gérer la situation, de vous ressourcer également, de vous reposer aussi, de vous recentrer sur vous-même, sur votre âme, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez. Et lorsque, bien sûr, la situation sera beaucoup plus claire, tout sera beaucoup plus fluide, tout va se passer tout à fait naturellement. Ça peut parler aussi de mettre de l'eau dans votre vin, parce qu'il semblerait qu'au niveau de la communication, pardon, du relationnel, il y ait quelques silences avec une personne en particulier, quelqu'un qui pourrait vous paraître assez froid, ou bien ça peut parler de vous, hein, il va falloir vraiment vous ouvrir davantage à d'autres opportunités, il va falloir vous ouvrir aussi au niveau relationnel, vous avez des difficultés à exprimer vos sentiments aux autres, à communiquer, mais ça peut parler, comme je vous l'ai dit, de cette difficulté en fait à communiquer avec les autres, ou bien cette personne a des difficultés à communiquer avec vous. Donc il y a en fait une période de silence radio, si je peux dire ça comme ça. Mais ça peut parler aussi de formation, je vous l'ai dit, il y a une reconversion professionnelle pour vous, il y a une formation qui va se mettre en place, mais il y aura des retards. Hein, il y aura des retards, des blocages, mais vous allez pouvoir entamer cette formation durant cette année 2021. Hein, vraiment, là, durant le milieu là, de cette année 2021. Dès la rentrée, il y a une formation, mais c'est vrai qu'il y a des retards durant ce second semestre. Hein. Et puis là, on a l'empereur. L'empereur, c'est la concrétisation de tous vos projets. C'est la stabilité. C'est aussi la structure, une meilleure organisation pour certains d'entre vous, ce qui va faciliter votre évolution professionnelle ou sentimentale. Ça peut parler aussi d'un personnage, d'un conseiller, d'un homme de loi, pourquoi pas, d'un guide, un mentor, en tout cas d'une personne d'expérience qui va vous conseiller, qui va vous aider. Et puis là, la Maison de Dieu, c'est vraiment une transformation profonde, hein. Là, vous prenez conscience, durant la fin de cette année 2021, que ça se réalise, que vos projets se réalisent, que vous avancez, que vous avez transformé votre vie, parce que vous avez fait le deuil de votre passé, parce que vous avez coupé des liens totalement négatifs, obsolètes, qui ne vous servaient à rien. Donc là, il y a vraiment de gros changements durant cette année 2021. Reconversion professionnelle, je vous en ai parlé tout à l'heure. On va rajouter d'autres éléments avec le Golden Universal Tarot. Donc c'est vrai qu'avec la lame tempérance, il va falloir s'adapter à toutes les situations durant ce second semestre. Hein. Et puis ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre, d'un coup de cœur pour certaines vierges. Je vous en ai pas parlé, il y a une rupture sentimentale pour certains durant ce premier semestre, et puis une nouvelle rencontre qui pourra arriver. Voyez. Donc l'as de bâton. De nouvelles idées brillantes vont apparaître pour vous. Cette patience, elle sera récompensée. On sent bien en fait que vous êtes sur la bonne voie d'avancer. Hein. Même si vous vous heurtez à quelques silences, à une rétention d'informations, à une difficulté à communiquer avec certaines personnes, à un relationnel difficile, que ce soit avec des amis, avec votre partenaire ou bien avec vos collègues au niveau professionnel. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a le 3 de bâton, donc on voit bien en fait que vous vous heurtez à quelques difficultés qui vont mettre vos projets en pause, ça ne va pas durer longtemps, mais voilà, mettez à profit cette pause qui est temporaire pour regarder au loin, pour analyser votre situation, hein, pour évaluer toutes les options qui pourraient s'offrir à vous, afin de concrétiser vos projets, de les stabiliser, en tout cas d'avoir cette stabilité, cette sécurité émotionnelle, voire financière. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a le 6 de denier qui parle bien en fait de donner, de partager et de recevoir en retour. Il y a en fait une personne, s'il peut s'agir de cette personne dont je vous ai parlé, un empereur, quelqu'un qui règne sur sa vie, qui a le contrôle de sa vie et qui a aussi à cœur de vous transmettre de bons conseils, de vous transmettre son savoir, son expérience. Donc acceptez son aide.
C'est une aide qui est bienvenue, c'est une aide qui est mise sur votre chemin par l'univers. Donc vraiment, acceptez cette aide qui vient à vous. Ok, le 9 de coupe, une satisfaction, donc c'est plutôt une bonne surprise pour vous. Hein, on voit bien en fait que vous vous libérez voilà, du passé, voilà, du passé tout simplement, et que là aujourd'hui, vous êtes dans une assise confortable, que ce soit au niveau matériel, professionnel, vous ressentez beaucoup de joie et de satisfaction du travail que vous avez fourni, de cette patience que vous avez eue, de cette persévérance. Donc voilà, on voit bien en fait une réussite qui vous attend. Quel est le message ici de l'univers pour ce second semestre 2021? Hop là. Et on a 7 de l'action. Très très jolie carte comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous dit en fait l'univers? Je vous lis son message. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. C'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez vous affirmer durant cette moitié de second semestre 2021. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Voilà. Donc vous êtes protégés, vos anges gardiens sont bien là, l'univers vous donne cette force pour justement eh bien tempérer la situation, gérer vos émotions, trouver un accord, mettre de l'eau dans votre vin et dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc il peut s'agir de cela effectivement parce que je sens bien une relation conflictuelle avec une personne. Mais ça, il peut s'agir aussi d'une relation conflictuelle avec vous-même également. Hein. Donc il va falloir vraiment prendre du recul et voir ce qui ne fonctionne pas. Peut-être que ça vient de vous, ou peut-être pas. Hein. Mais vous allez de toute façon réaliser qu'il est temps pour vous, en fait, eh bien, d'aller de l'avant, d'avancer de toute façon, parce que vous trouvez des solutions. On voit bien en fait que vous reprenez le contrôle de votre situation et que, eh bien, si ça ne se passe pas très bien avec une personne, eh bien, de toute façon, vous avancez. Voilà, vous avancez et on voit bien en fait une satisfaction, une bonne surprise. Vous êtes récompensé par l'univers durant la fin de ce second semestre 2021. Voilà les vierges. Donc j'espère que ce tirage va vous éclairer, va vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me mettre un j'aime à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis à commenter. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site où je propose des consultations privées sous cette vidéo. Et puis si vous souhaitez apprendre à tirer les cartes, à vous former au tarot, vous avez des formations avancées en ligne sur le tarot que j'ai réalisées moi-même qui se trouve sous cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur les liens pour en savoir plus. Quant à moi, je vous souhaite une excellente pardon, année 2021. Je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines et surtout prenez bien soin de vous. À très très vite. Ciao ciao.